Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement. Je vous l'avais dit dans les précédents lives que j'allais le traiter très bientôt. Est-ce que le prof doit motiver ses élèves? Est-ce que c'est le rôle du prof de motiver ses élèves? Car j'entends ça partout, le prof doit motiver ses élèves. Et ça me rend fou, ça me rend dingue d'entendre ça tout le temps. Je suis peut-être un petit peu naïf sur ce sujet ou je choisis peut-être de l'être, mais j'ai une vision beaucoup plus utopique, beaucoup plus romantique de ça. Et oui, je suis un gros romantique. Dans mon monde idéal, ça va peut-être être difficile pour les personnes qui pensent que le professeur doit motiver les élèves, mais si tu arrives à faire un petit effort d'imagination, si tu rentres dans mon monde idéal, j'ai comme vision qu'en fait, l'élève, il est lui-même motivé pour apprendre la capoeira à la base. Ça vient de lui, quoi. Je sais, c'est pure folie, mais j'y peux rien. Pour moi, très naïf, dans mon monde utopique, c'est comme ça, l'élève, je pense qu'il est motivé pour apprendre la capoeira. Et j'ai même dans l'idée que c'est une des responsabilités, un des rôles de l'apprenant que d'être motivé par ce qu'il fait, par ce qu'il veut, par ce qu'il ambitionne. Je sais, je suis fou ou pas. Beaucoup veulent que je parle un peu plus de moi, de ma vision des choses, alors c'est ce que je vais faire. Je vais te présenter ma façon de voir les choses. Si le prof doit sans cesse motiver ses élèves, qu'est-ce qui va se passer le jour où le prof est un peu moins bien? Car je te rappelle, le prof c'est pas un Superman. Qu'est-ce qui va se passer? Tout va s'écrouler? Le fait d'être sans cesse le moteur, ça va utiliser plus rapidement et ça va user plus rapidement le moteur lui-même, c'est-à-dire l'enseignant. Et deuxièmement, ça va pas apprendre à l'élève comment faire fonctionner lui-même son propre moteur. Si je suis tout le temps moteur pour mes élèves, je leur enlève leur responsabilité, je leur enlève leur capacité de choix, leur passion. Car au final, si je leur enlève ça, mais ça va juste devenir des moutons, des robots sans âme. Je pourrais faire les choses à leur place, sans cesse les motiver, mais sur le long terme, c'est pas un cadeau que je leur ferai. Motiver un élève, c'est éphémère, car c'est une force extérieure qui va venir s'opposer aux aspirations profondes de l'élève lui-même, consciente ou inconsciente. La motivation du prof, c'est une force qui est subie par l'élève. L'élève est passif dans cette démarche-là, et rien ne va se construire durablement avec ce schéma. En tout cas, pas des choses inspirantes. Alors si la motivation doit venir de l'élève, qu'est-ce qui reste au prof? J'adore une phrase du maître Benchivi qui dit « L'enseignant véritable sait que son rôle n'est pas de remplir un vase, mais à allumer un feu. » Je me reconnais parfaitement dans cette phrase-là. C'est en ça que je qualifie ma vision de romantique. Car tu ne peux pas imposer l'amour de la capoeira. Tu ne peux pas imposer l'amour lui-même. Par contre, tu peux le faire naître. Si j'use de différentes stratégies pour imposer l'amour de la capoeira, au final, je vais jamais savoir si l'amour qu'à l'élève pour la capoeira est véritablement sincère. Et c'est ce doute-là, cette idée-là, qui pour moi serait difficilement supportable. De savoir si l'amour est sincère ou s'il a juste été imposé. Et c'est en ça que je qualifie ma vision de romantique. Car oui, je suis un gros romantique, comme je te l'ai dit. Le prof ne doit pas motiver ses élèves, il doit inspirer ses élèves. De par son amour pour la capoeira, de par son attitude, de par sa posture, de par ses actions, il doit incarner tout ça. J'adore la phrase de Mandela qui dit « En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. » Le prof doit proposer le meilleur cadre possible pour que l'apprenant puisse évoluer dans les meilleures conditions, tant physiques qu'émotionnelles, psychologiques, musical, etc, etc. Il doit le guider, le rendre capable d'avoir la capacité de choisir lui-même le chemin qu'il a envie de parcourir dans la capoeira. Mais le prof ne peut pas être le moteur de l'envie de l'élève. C'est pas la meilleure façon de faire, à mon point de vue. Surtout sur le long terme. Car ça va rendre l'élève passif dans son apprentissage. Et je pense que le but est que l'élève doit être le plus autonome possible, non? Alors vaudrait mieux pas que le professeur rende son apprenant plus actif, plus acteur? Inspirer un élève, c'est déclencher un processus en lui, qui lui appartient à lui. Et donc aura un véritable impact sur cette personne-là, parce que ça vient de lui. Donner envie, réveiller quelque chose chez l'élève, voilà une démarche qui est intéressante. Voilà une démarche qui est constructive et dans laquelle on va pouvoir se projeter sur du long terme. L'élève, lui, doit nourrir son envie d'apprendre, son envie de s'entraîner, son envie de progresser, son envie de s'amuser. La capoeira est un art d'expression et de bien des manières, corporellement, musicalement, artistiquement, l'expression est une des essences de la capoeira. Et si on rend l'apprenant vide, passif, toujours dans l'attente, en l'habituant à ce que les choses viennent de l'extérieur et non pas de lui, s'il n'est jamais confronté à ses propres responsabilités, à ses propres émotions, à ses
ses propres doutes, ça va devenir très difficile pour lui de pouvoir s'exprimer, de savoir qu'est-ce qu'il a à dire, qu'est-ce qu'il a à transmettre. Car si on rend l'élève vide, l'élève attentiste, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire ? Pas grand-chose. Qu'est-ce que tu vas exprimer si on t'a jamais laissé l'occasion, la possibilité de chercher en toi ce que tu as à exprimer, ce que tu as à donner, ce que tu as à offrir aux autres ? L'élève doit être acteur, responsable dans sa démarche qu'il a d'apprendre la capoeira. S'il attend tout du prof, c'est foutu. Si on prend un exemple d'un tableau pour le comparer au chemin de capoeira, ce sont mes élèves qui vont le faire et pas moi. Dans ce tableau, moi, mon rôle, ça va être de choisir le cadre, le support. Peut-être de définir les outils qu'on va utiliser pour la réalisation de ce tableau-là. Je suis un petit peu comme le concepteur, mais c'est pas moi qui vais réaliser, c'est pas moi qui vais peindre ce tableau-là. Ce sont mes élèves. Je mets des outils à disposition de mes élèves et c'est les élèves qui vont être responsables de l'exécution de ce tableau-là. Je mets des outils à disposition des élèves et ensuite ils vont être mis en situation de responsabilité et c'est eux qui vont peindre ce tableau-là. Le prof doit leur faire confiance dans cette réalisation-là et donc accepter aussi les erreurs qu'ils vont commettre. Et à partir de là, le rôle du prof sera de faire en sorte que le tableau soit le plus harmonieux possible par rapport à ce que chacun va y mettre. Mais la motivation, l'envie de réaliser cette toile-là, ça vient de l'élève même. Le prof n'est pas l'acteur principal dans la réalisation de ce tableau-là. Il ne doit pas ramener tout à lui, mais plutôt préparer ses élèves à la capoeira. En ramenant tout à lui, il va limiter le potentiel de son groupe, de son travail, de ses élèves, de l'addition des performances, de l'addition des compétences. À moins que tu veuilles une équipe de robots, une armée, dans ce cas-là, oui, ramène tout à toi et fais tout toi-même. Mais si tu veux réellement aider tes élèves à se construire un chemin dans la capoeira, alors ne les motive pas. Responsabilise-les. Inspire-les. Guide-les. Propose le meilleur cadre possible et c'est eux qui écriront leurs propres histoires. N'ayons pas peur de nous engager dans le chemin de la capoeira, de faire les efforts qu'il faut. La capoeira est un super choix de vie. Qu'il soit temporaire ou non, le temps passé avec elle permet de mieux nous connaître, de mieux nous accepter, de pouvoir nous construire, voire nous reconstruire, nous offrir un lieu de pleine expression, d'amitié, de joie, de partage. Tout ça sublimé par la pratique d'un art merveilleux. Alors n'attendons pas que la motivation vienne à nous. N'attendons pas d'être motivé. La motivation, c'est avoir un motif à l'action. C'est ça la motivation, ni plus ni moins. Motivation, motif à l'action. Nous savons pourquoi nous faisons de la capoeira. Alors nous avons notre motif à l'action, notre motivation. Quand tu n'es plus motivé, rappelle-toi de pourquoi tu as commencé. Et tout reviendra. Bon les loulous, voilà pour cet audio du mardi, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a inspiré. Nous on se retrouve mardi prochain, 28 février à 23h sur la page Fourropa Capoeira sur mon Facebook pour un live, on va en discuter, on va échanger sur ce sujet là. D'ici là, regarde, re-regarde, diffuse, partage, mets-moi en commentaire ce que tu penses, ce que le prof doit motiver, ce qu'il doit inspirer. Partage ton expérience propre, que tu sois élève, que tu sois professeur. Partage-nous tout ça dans les commentaires. Diffuse un max l'audio. On se dit à mardi prochain, 28 à 23h. D'ici là, like, commente, abonne-toi. Ciao !